Eh bien, bonjour tout le monde. Nous revoici pour le In My Mailbox de la fin octobre. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de faire la vidéo costumée. Et comme plusieurs, vous avez sans doute remarqué, vu que je m'avais déguisée en Elsa de la Reine des Neiges. Donc, voilà, je suis déguisée. Je vais vous présenter les 5 livres que j'ai reçus au mois d'octobre. Il s'agit de 4 livres reçus dans un swap, dans Swap It's Your Birthday, de la part de mon amie Tania, et un livre que je me suis acheté. Donc, le premier livre que j'ai reçu, il s'agit d'un livre qui me tentait par son auteur, qui a écrit la saga d'Elerion. Il s'agit du dernier jour de ma vie, de Lauren Oliver. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, car le résumé... Ouh! Car le résumé m'intéressait beaucoup. Ensuite, un livre d'une auteure que j'ai déjà lu deux de ses sagas. Il s'agit Le Calice du Vent de Kate Tiernan, celle qui a écrit la saga Sorcière, la saga Wicca, ainsi que la saga Immortelle. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En bref, un petit résumé. 200 jumelles séparées à la naissance se retrouvent pour accomplir leur destinée, un rituel magique qui changera leur vie à jamais. Donc, j'avais très envie de le découvrir. Merci à mon amie Tania. Ensuite, c'était pas un livre de ma wishlist, mais c'est un livre que Tania a voulu me faire découvrir parce que j'adorais les fées. Donc, Contes de fées, les rituels, éveiller le pouvoir sombre, inquiétant et érotique des histoires connues. Donc, c'est plusieurs recueils de nouvelles, en fait. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le quatrième livre est un livre qui me tentait énormément depuis sa sortie. Beaucoup d'entre vous ont trouvé que ce livre était un coup de cœur. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moy. J'ai très très hâte de le découvrir. Donc, merci à Tania pour ces 4 romans qui me faisaient très envie, plus une découverte. Quant au dernier livre, j'ai acheté ce livre dans le cadre d'une activité sur Québec Livresse. Il s'agit de l'activité Livre vs Film, donc lire un livre qui a été adapté en film, puis comparer. Et mon choix s'est porté sur le tome 1 de l'épreuve, Le Labyrinthe, de James Dashner. Donc, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner. C'est les 5 nouveaux livres que j'ai achetés, que j'ai reçu ce mois-ci. Donc, voilà, donc, costumé. Et pour ceux qui voulaient voir, vu que je me suis fait raser la tête au défi tête rasée, je vais vous montrer maintenant à quoi que je ressemble. Ça l'a un peu repoussé. Donc, voilà, je me suis fait raser la tête et je ressemble à ça. Donc, on se retrouve à la fin novembre pour un autre In My Mailbox.